Pour toutes celles et ceux qui ne savent pas, je suis la grande sœur de trois personnes, Ketia, Enicia et Taïra. Vous m'avez souvent demandé, mais pourquoi tes sœurs ne viennent pas faire la Merikation avec toi? Pourquoi tu ne voyages jamais avec tes sœurs? Voici la réponse. Chaque fin de journée, est-ce que tu vas dormir? Allez, excusez-moi. Doucement. Madame, bonjour. Qu'est-ce que t'as fait? Doucement. Alors, viens t'aider. Malgré tout cela, j'ai quand même pris la responsabilité de les ramener en vacances en Espagne pendant une semaine. En plus de Enicia et Taïra, il y aura Andrea qui est la meilleure amie d'Enicia et Sharon qui est ma petite cousine. Je vous laisse donc avec la suite du vlog. Franchement, je sais pas si ça a été une bonne idée, mais bon, je l'ai quand même fait. Hello, bienvenue dans l'Américation, saison 3. Tu peux là, on va embarquer. Là, on va. Doucement. Alors, Vent American, du coup, là, on va embarquer à 15h50. On va arriver vers. Et on va décoller à 16h30 et on va arriver à 18h. Enicia, qu'as-tu à dire? Non, elle a tout dit, c'est bon. C'est bon. Il est bien pour arriver à l'aéroport, limite le vol là, il sera bon. Je suis en CM2 et voilà. Je m'appelle Andrea et j'ai 15 ans. Et elle vit où? Enfin non, t'es obligé de dire. C'est privé ça. Et Mister, 15 ans et demi. Elle a vu le mois prochain et 16 ans. Quoi 15 ans et demi? T'as 15 ans ma belle. J'ai 15 ans et demi. Sharon? Voilà, elle a 14 ans, Sharon. Bonjour, je m'appelle Sharon, j'ai 14 ans et demi. T'as pas 14 ans et demi, t'es donc 14 ans. Je les ramène à Barcelone, je sais pas. En fait, j'aurais jamais dû accepter, je pense. Mais on est passé à ce point. Tu sais que c'est Taïra qui va m'énerver dans ce voyage. C'est toi. Arrête de faire ça avec la valise. Moi, je te donne des conseils, c'est pas mal. Direction Barcelone pour la Merikation, épisode 3. Et on va embarquer là. Ah ouais, on attend que les gens y passent parce que là, il y a tout le monde. Du coup, là, on va embarquer. Et voilà. Ce vlog, je sais même pas ce qu'il va donner. Je mets les mains comme ça. Si vous m'entendez crier, soyez pas choqués. Si vous m'entendez les insulter, soyez pas choqués. Pas du tout. D'accord, c'est l'habitude, c'est mes petites soeurs. Je les gère comme j'ai envie de les gérer parce que vous, je les connais. Vous avez commencé à parler de maltraitance ici là. Allez, à toutes. They need me to go, but I don't wanna leave. Rest in peace, a little Keith. Fuck a pigeonhole, I'm a night out, it's a different mode. I'ma have to make a pan of six on a pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let a nigga know. I would have your court side, not the middle row. All good love in a minute though. I can't stress about no bitch cause I'm a timid soul. Plus I'm cooking up ambition on the kitchen stove. Pot start to bubble, see the suds, that shit good to go. Oh Sam suave, but I can't get recalled. Bro, thank you John Wayne. Salut les. Salut, du coup là on arrive à Barcelone. Bienvenue dans l'Américation. Elle avait un plomb. Elle avait hyper peur, Andrea. Vraiment, vraiment peur. Franchement, il y avait des turbulences. Il y avait grave des turbulences, mais mes oreilles. Non, après le vol, je te promets. Il y avait des turbulences, mais ça durait pas longtemps. Ouais. Moi, franchement, à un moment donné, les oreilles, ça a tiré un tort. Désolée, mais j'allais mourir. Le vol. Désolé, mais il a fait 3 minutes, c'est passé hyper vite. Mais du coup, frère, on a décollé vers les 16h50. Le Barça. Vers les 16h50. Okay. Vers les 16h50. Ici, c'est Paris, ma belle. Il n'y a pas Barça. C'est pas... Barça. Ici, c'est ouais. Paris, en fait. Parce que les gens qui disent Real Madrid. Non, j'avoue, il y a le Real aussi. Même si Madrid, c'est la capitale, non. Du coup, là, on va essayer de voir pour les voitures. Ah, on va sortir déjà. On va essayer de voir pour les voitures. On va aller à l'Airbnb. Si c'est Paris, alors je suis même pas les matchs. On va aller à Airbnb, t'as vu? On va aller voir en Airbnb. On va aller voir l'Airbnb. On va aller à l'Airbnb. On va essayer de voir pour les voitures, les prix.
Et voilà. Par contre, j'ai trop mal à la tête. Voilà. Je casse à tous mes potes. Aya. Moi, j'ai 5. J'ai pas de mes familles parce que je sais pas si je veux. Mes bestes. Asma, Asia et Manour, Linda. Voilà, mes amours. Du coup, là, je. Bon, on va où, mais je suis. J'ai envie de filmer. Par contre, la caméra, elle est hyper longue, la Canon. Donc là, on doit aller récupérer nos bagages. Ah ouais, on doit récupérer des bagages. Parce que les 70 premiers bagages, ils étaient dans, en cabine. Bah, c'est un vlog. Les 70 premiers bagages, ils étaient en cabine. Le reste, ils sont partis en soute. Du coup, la mère, on va faire quoi? On va prendre le bagage et après on va voir pour la voiture, ça coûte combien. Vous avez vu, après on va aller à l'Airbnb, après on va se reposer et après on va aller manger. On va se préparer et on va aller manger. Du coup voilà. Au revoir mes amours. L'américationnaire. Voilà. As-tu mis un short qui est rouge? Ah Gilas. Que dit Astar. Moi je suis qui est un peu honteux. Non bah non bah. Très style vraiment. Je préfère Dutch. Faire le petit room tour. Donc quand on arrive, on a une salle à manger avec une table en bois. Faut savoir que l'Airbnb, il est fait pratiquement que de bois. On a un joli lustre avec fait en paille. Ici on a aussi la cuisine. Voilà. Donc on a une petite plaque, l'évier. Étage et tout, là c'est le frigo. Franchement, je trouve que c'est très genre. Je pensais pas qu'il y allait avoir un frigo caché derrière le bois. Genre, après, on arrive au salon, on a des chaises et tout ici. On a un canapé, une table basse, une télé. Là, c'est une chaussure, c'est important. Ensuite, on a un non, en fait, là, je fais le retour. Donc, non, je fais le room tour là. Donc, zéro mot. Donc, ici, on a le dressing encore en bois. Il y a votre youtubeuse qui est installée pendant que je fais son travail. Payez-moi sa place, s'il vous plaît. On a le lit encore en bois. Voilà. Je vais vous montrer la chambre. Voilà. Regardez les lumières en ensuite on a un petit miroir, on pourra prendre mon short qui me fait une couche. On aime trop. Voilà, après on a, là c'est la porte en fait, je sais pas trop comment ça fonctionne mais en gros on tire et c'est une porte. On arrive dans la salle de bain, il y a une machine à laver, robinet et tout, un miroir. Franchement la luminosité elle est assez bien ici. Ça je sais pas trop à quoi ça va servir, je pense que c'est pour la déco. On a les toilettes, pas intéressant, la douche, donc il y a un rideau. Et quand on... Voilà. Il y a la douche. Et voilà, c'était tout pour le tour. J'espère que ça vous a plu. J'ai complètement oublié de vous montrer la vue. Voilà, il est tard, ça veut dire que vous ne voyez pas trop. Bon, je vous montrerai bien malin, on ne voit pas trop. Là du coup je me prépare, j'ai fait un tissage, vous allez le voir dans le vlog du mois qui arrive après la méditation. J'ai fait un tissage les gars, j'aime beaucoup les tissages mais comme j'ai pas fait de lissage parce que j'attends de refaire mes têtes pour faire un lissage, je sais pas si vous pouvez voir les repousses et tout qui ressort, donc là on va essayer de bien ajuster ça parce que ce n'est pas possible en fait. My past can't escape me. My pussy precedes me. Why my how the time change? I'm still playing the victim and you still playing the picky. It's all I'm missing. All of the things I need living inside of me. I can't see it. It's so embarrassing. All of the love I see living inside of me. I can't see it. I'm blind. Je sens que je vais avoir la flemme de maquiller mes
mais mes cernes, s'il vous plaît. On va faire le fameux outfit check. Parce que Théa a critiqué, elle disait qu'on ne fait pas. Non. Commence. Théa. Ok, je suis H&M. Je sais que la jupe, elle vient de chez H&M et mes claquettes, elles viennent de chez Primark. Moi, j'ai porté des lunettes de soleil de chez Shein. Un top de chez Primark. Un short de chez H&M. Des baskets de chez Nike, des Air Force One blanches. Voilà. Un top de chez Shein, une jupe de chez Plein Gear et des claquettes de chez je sais pas. Moi, je suis en full Shein, sa coach, claquette Primark. Sharon est en train de... Vous vous rendez compte que Sharon, elle s'est maquillée, les gars, c'est la plus petite d'ici, c'est celle qui s'est maquillée. Ah, ça. Et la plus petite d'ici, c'est Clara. Ouais, c'est Clara. Les filles, elles ont grandi même une fois qu'on se maquille, wesh. Mais je me maquille pas là avec cette chaleur. Mais là, on a brunch. Et voilà. Moi, je vais prendre le bus, les gars, je pense. Hein. Expérience sociale, parce que là, on est 5 et le truc, il donne pas de truc pour 5. Les gars, on a un gros problème ici. C'est que où on est, c'est pas très bien desservi. Et donc, du coup, c'est chaud. Enfin si en fait il y a des bus hein, Barcelona, la prochaine fois on va prendre le bus. Parce que le problème c'est que là bon on est 5. Et quand tu commandes du beurre, il n'y a pas genre de van ou quoi, il n'y a que pour 4. Donc du coup c'est ça qui est chaud. Mais franchement demain les prochains jours on va prendre grave prendre le bus. Ça va nous coûter moins cher parce que là 36 euros tous les jours aller-retour ça fait 60, ça fait plus ça quoi. 62 euros je crois. 72. Pour deux pour aller-retour par jour, c'est énorme. Et donc du coup voilà, donc du coup là on va aller bruncher. Un brunch, tes lunettes ma belle. Andrea veut pas mettre ses lunettes, je ne comprends pas pourquoi. Merci. On va aller dans un brunch Créma Lounge, c'est Margot qui m'a donné l'adresse. On va manger, ensuite on va aller faire du téléphérique, je sais pas quoi là. De nada. Bon appétit, non? Merci. Merci. Ça va? Faire un peu plus. Et je t'avais dit quoi? Méré. Je t'avais dit quoi? Je sais pas si t'es aussi gros, Méré. Mais je t'avais dit quoi? C'est bien, j'allais jamais finir, c'est trop gros. C'est vraiment lourd le truc. Ça va, ça va t'acheter comme ça. On peut aller pour demain. Vraiment, on va aller vraiment. T'es calé jusqu'à demain? Jusqu'à demain, tu peux manger. Je peux pas manger. T'as dit quoi? On va faire. Oui, il faut commencer. Alors, faut aller. En plus, il fait chaud, quand tu manges comme ça, c'est pas bien. Du coup, là, on fait de manger et on va aller faire du téléphérique. C'est vrai, on dirait. Hein. Franchement, c'est pas mal. Oui, il était dans ma classe. Là, l'année prochaine, il peut être encore dans ma classe. J'en ai marre. Depuis le CP, il est dans ma classe. C'est pas normal. Ça va faire grave. Depuis le CP, il est dans ta classe. C'est quoi le CP? Bah, c'est dur pour faire une chose. Bah, je lisais. Pourquoi t'enlèves 3 points? Pourquoi t'enlèves 3 points? Parce que je pensais pas que j'avais une chose. Mais du coup, aussi, où il y a des myrtilles avec du chocolat. Mais c'est écrit, il y a quoi dans le truc? C'est écrit, tu voulais pas des mirtilles avec du chocolat? Tu voulais pas dans ça? Ouais, j'ai pas qu'elle était comme ça. Vous voulez me sortir pour ça, sortir avec elle. Moi je suis en train de... Elle fout là. Elle crie. Tu crois que je voulais toi en plus? Elle sait pas tenir. Hier on était au restaurant, les gars. T'es même bousée sur sa chaise, elle est tombée. T'as la vidéo non? Comment
comment s'appelait le monument là-bas? La cathédrale là-bas? Ça s'appelle comment? Je m'en fiche, je veux savoir le nom. La quoi? La Sacred. Vous avez aucune? La Sagrada Familia. Bah voilà, c'est ce qu'on a dit. Vous avez vraiment pas de culture générale. Après je ne sais combien d'heures de bus, je crois qu'on a fait 40 minutes de bus facile. Là on est à la Barceloneta. Barceloneta. C'est quoi la météo? Donc, je sais pas, il y a la plage, vous faites ce que vous voulez. On a même pas de maillot de bain. Je vous voulez pas aller à la plage? Moi je vous dis, le matin quand on sort, prenez toutes vos affaires parce qu'on n'a pas le temps de repartir là-bas parce que vous avez vu comment ça coûte et combien c'est loin. Trop de monde, c'est quoi ça? Je sais pas du tout. Mais il y a grave du monde. On est rentré. On est KO. Aujourd'hui on n'a pas fait grand chose mais je sais pas pourquoi on est KO. Et en fait le problème ici c'est les gars, le taxi, le moyen de transport, c'est chiant de ouf. C'est sûr que nous t'achètes un ticket, il est disponible genre une heure. Mais ici non, en fait à chaque fois que tu changes de bus et que tu descends, tu dois payer un nouveau ticket. Et on est 5. Donc je vous laisse imaginer. Mais si vous voulez, ça va pas du tout, j'ai fait un chinois. Regardez, la chaleur ça tient pas. Quoi? Et là, t'as vu le prix de la location? En fait, le problème, c'est pas la location, c'est la caution. Il demandait 1000 euros de caution. Qui va mettre 1000 euros de caution? C'est trop. Elle a fait à manger. T'as fait quoi, André? J'ai fait des pâtes carbo avec des raisins. Et ouais, de la mozzarella. Carbo, c'est toujours avec de la raisins. Ouais, avec de la mozzarella. Toi, j'ai remarqué que t'aimes trop contredire ce que les filles disent. Je contredis pas. T'es d'accord, Sharon? Je les rectifie. Elle fait ce qu'elle veut. J'ai pas dit qu'elle fait pas ce qu'elle veut. Mais tu rectifies tout le temps, c'est chiant. On s'attrape demain pour de nouvelles aventures avec les filles. On sait même pas ce qu'on va faire. En fait, le taxi, 200 balles s'il vous plaît. Il y a une sauce. C'est elle qui a proposé, je précise que c'est elle qui a voulu faire le jeu de tir, il y en a une ici, tu sens un gros dossier, mais on ne sait pas c'est qui la personne. Oui, je sais, ok. Maintenant, moi je dis, il y en a une ici, elle avait, tu comprends. Ok, elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose. Mm-hmm. Ok. Maintenant, le truc il date de 2019, on est en big 2023, 7e mois du mois de 2023, elle pleure encore pour ça. T'avais quel âge en 2019? Tera, pourquoi tu veux demander des jeux que tu vas pas assumer? Non, mais non, mais c'est son avis à elle, elle le sent. Oui, c'est ça. C'est devant Sharon et Andrea. C'est pas comme si c'était. Ok. Et maintenant, elle dit, tu vas juste. Elle a fait quoi? Elle dit, juste parce que j'ai pas trouvé un truc qui est la vérité, elle prend le bas. Bon, maintenant, moi, ce que je vous demande. Bon, Tahira, maintenant tu veux quoi? Dis ce que tu veux. Initia, tu dois aussi être plus proche de ta soeur. C'est sauf si. Aujourd'hui, ils ont dormi ensemble et tout. Ils ont dormi ensemble dans le transport. Là, quand j'étais fatiguée, j'étais fatiguée. T'as fait un sourire parce qu'elle voit qu'elle entend en fait. Salut tout le monde. Hey, il fait trop chaud. Franchement, ce vlog, je sais pas ce qu'il va donner. On est KO, on se réveille. On est KO, on se réveille super tard, on dort super tard. En fait, comme c'est l'heure de la France, j'ai l'impression que bah, c'est comme si j'étais en France, quoi. Donc du coup, on se réveille super tard. Aujourd'hui, là, on va juste faire une journée chill plage. On devait aller à... C'est quoi, Porta Aventura? Aquatique. Ouais, Porta Aventura de l'Aquatique, là, quoi. Mais les gars, Uber, 165 euros. Et sinon, c'est presque 3 heures en train. Donc comment vous dire, là je suis en train de chercher une solution pour les voitures, mais c'est galère, c'est soit c'est super cher, soit il n'y a pas.
Donc du coup, voilà quoi. On va faire juste journée chill et après on va voir pour demain pour vraiment trouver une solution pour faire des vraies activités. Parce que bah, sinon ils vont rien faire les pauvres. Tes lunettes ? En vrai, j'avais jamais mes lunettes. Non, arrête de dire ça à la caméra en fait. Ma mère regarde les vidéos. Oh ! Tata Sandra, ta fille ne veut pas mettre ses lunettes. Mets tes lunettes ! Je comprends pas. Je comprends pas. Sinon, moi j'ai mis un gros foulard aujourd'hui parce que si je vous ai montré en fait les tissages. Là, mon tissage que je vous dis que ça tient même pas. C'est-à-dire, ça tient même pas, mais je vais, il faut que ressortir. J'ai mis un petit foulard. Je vais rester comme ça toute la journée. Ce soir, on va voir si on doit faire. On va faire un petit truc. C'est une personnalité publique. Je peux pas me mettre dans le noir comme ça. The way that you talk and the things that you say, where they make you feel alright. And I catch a vibe anytime that I look in your face. Tell me why you look so fine, baby girl. I see you, wanna ride you like a bicycle, and you did blow my mind from a mile ago. And I'm not gonna lie, you light up my life. C'est beaucoup de ta place, hein. Je vais pas filmer les seins des mamans des gens, mais ouais, beaucoup de place. C'était une blédarde, je sais pas. Salut! Mais Insta, c'est moi qui bloque. Non, balabala, tu peux pas bloquer. Elle! Tu veux pourquoi, ma belle? Je vais tout faire, à chaque fois tu fais. Ouais, je vais tout faire alors. Et. Trop star. C'est moi qui fais des vues à chaque fois. Ouais, t'es, t'es star! Hein. Est-ce que tu. Non, est-ce que. Je rappelle, c'est quel vlog qui a fait le plus de vues? Est-ce que tu veux que je rappelle? Est-ce que tu veux que je rappelle? Voilà, donc tais-toi. Le vlog de Meredith pour Sébastien, le vlog de Meredith pour Sébastien, ils ont dépassé cette vidéo alors. C'est qui a filmé? Allez. Et alors, il y a pas que allez. Y a que toi qui a filmé. Avec moi, tout le vlog t'as c'est filmé. Qui a filmé tout le vlog des 21 ans de Meredith? Tout le vlog t'as filmé. Tout le vlog t'as filmé. Non. Ah ok. Dispute sur nous, mais non. Dispute sur nous, mais non. Bon, je passe la caméra à Taïra avant qu'elle pète un câble. Désolée parce que Insta veut que la caméra. Du coup là on est au McDo parce qu'ils l'ont pas dit. Vous avez vu? Ils l'ont pas dit, on est au McDo. Et là bah les menus ils arrivent, Sharon elle arrive avec les menus. C'est votre type. Allez. Il est 14h les psy. Inicia, Taïra. Il est temps de se réveiller. Salut les filles, salut les garçons, salut les autres deux, bienvenue dans l'Américation. Inicia. Inicia. Elle a demandé à quelle heure celle-là? Andrea, pourquoi tu coches ton visage comme ça? Ah oui, Andrea, elle a fait exprès de casser ses lunettes. Non, arrête de dire ça. Maman Sandra, si tu vois ce vlog. Andrea, elle a fait exprès de casser ses lunettes parce que je dis à chaque fois de mettre ses lunettes parce qu'elle veut pas mettre ses lunettes. Nina les a cassées. Bon, on fait quoi ce matin du coup? Les gars, par contre, il fait tellement chaud dans cette Airbnb qu'hier, j'ai cru que j'allais mourir. La clim, franchement, cette Airbnb, je vais leur mettre une note de 1 sur 5. Vraiment, le Airbnb, la clim, elle fonctionne pas du tout. Il fait super chaud. Le dimanche, j'ai l'impression que ça fait au moins 5 jours qu'on est là. Oui, d'accord. Alors que ça fait que 3 jours, même pas. Si, 3 jours. Ça fait 4 jours. On est arrivé quand? Jeudi. Non, ça fait 3 jours, j'ai dit, on compte pas. Genre qu'on a vraiment fait des journées, genre. C'est n'importe quoi. On est que dimanche, les gars. On est que dimanche. Mais bon, sinon, hier, on est parti à la Pascataluna. J'ai vu que Mango, ils ont fait des brumes. Des dingueries, l'odeur. J'ai encore un peu ici, une pause. L'odeur, vraiment, c'est une dinguerie. J'en ai pris 3. J'ai pris coup de cœur le matin et à la folie. Ça me gratte. On pique en plus la nuit, en plus il fait chaud. Franchement, les autres heures, j'ai tout le temps des brumes. L'odeur, franchement, je sais pas si. Je crois qu'ils en font en France, hein, je pense. Hein. Mais dinguerie. Vraiment, les odeurs, c'est trop. Je crois que mon préféré, c'est le matin. Mon préféré, c'était le silence, mais il n'y avait plus. Oh non, c'est vous faire. C'est une blague. Bon, moi, je ne sais pas vous décrire les odeurs. Hein. Le matin, ils ont mis allemande, c'est l'amande, violette et du musc. Ah, ils sont...
c'était mon préféré. Ils sont tellement bons et j'ai pris du coup le coup de cœur. Les gars, ma valise a dépassé faire que 8 kilos et elle permet pour en soute. Moi je prends des trucs de... Ah, c'est aussi trop bon. Ah ouais. Vraiment, en plus des brumes que j'ai achetées Victoria's Secret à l'aéroport, je suis refaite, je fais que acheter des... Il y avait aussi des parfums, je pense que je vais même prendre aussi des parfums. On fait quoi aujourd'hui? Ok, d'accord. En fait, Mary, mon oeil, il gonfle. Il gonfle pourquoi? Je sais pas, depuis hier, j'ai mal. On va prendre du Dalipan, pardon. Vous, vos maladies, moi, je suis pas votre mère pour soutenir votre maladie, je sais pas comment on fait. Il y a du Dalipan, de le truc là-bas, prendre avant peut-être, ça fait que t'as des gouttes physiologiques. Non, c'est parce que tu mets pas tes lunettes. Non, c'est pas ça. Ben oui, avec le soleil et tout. Et peut-être hier, c'est avec la mer qui est entrée dans ton œil, je sais pas. Non, c'est avant qu'on parte à la mer. Ah. Je crois que c'est une moustique qui m'a piqué. Dans l'œil? Franchement, les parents, si vous voyez cette vidéo, venez prendre vos enfants, s'il vous plaît. Parce que moi, je peux pas. Je peux pas gérer ça, les maladies là. Là on est comme dans un parc de jeux. Elles vont faire du karting. Oh là monsieur, elles vont faire du karting. Moi personnellement je suis fatiguée. Je vais les regarder de loin. Un air de jeu ici. Un grand truc. On passe par où? Ah ton téléphone. Même pas ce que je filme. Et regardez, parce que là je suis fatiguée, les quartiers ça me dit rien. Par contre c'est cher hein. Franchement, voyager avec des enfants, les filles, c'est cher. Je sais pas. C'est très cher. Kéra elle a peur. T'as une grosse tête. Tu es morte. Bon, vous pouvez partir. C'est quoi pour accélérer? T'as vu? Eh, on a dû, j'ai dû les traduire et tout. Hey! Taïra, elle est toute lente! Accélère, Taïra! Accélère! Accélère! Allez, Taïra! Elle ne voulait pas faire. Elle est la dernière. Taïra l'a dépassée. Andrea. Andrea, j'ai même pas vu. Elle fait des longues pauses comme ça. Sharon, 3e. Enisha, 4e. Moi, 6e. Toi, 6e. On est en train de faire les courses. Le monsieur Jackson m'a fait découvrir un autre site, une autre application pour les taxis. Et ça coûte moins cher. Carrément. Donc. Merci à lui que tu le rendes parce que je vous promets les prix des taxis ici. Alors, en plus qu'on est 5, on va prendre des gros taxis. J'ai mal à la tête. Clairement, j'ai mal à la tête. Mais bon, du coup, là, on fait les courses encore. On est à Lidl. C'est moins cher, forcément. Hey, Lucien, nous a fait manger. Tu nous as fait quoi? Bon, à chaque heure. Calme-toi, poteau! Andrea! Arrête de faire des trucs comme ça, Mary! Mais est-ce qu'on a faim comme ça en fait? Ah ça, bah. Ça sera posté sur YouTube, on fait. Oui, ça sera posté sur YouTube, peut-être que tu vas voir à quel point t'as un gros estomac. Après, on dit c'est. Toi, arrête. T'as mangé 6 pizzas ce matin. Hyper, c'est hyper grave. Et vous voir comment elle a sauté sur la dernière part. Oh, c'est faux. Heureusement, je me suis demandé. Elle m'a demandé. En train de faire la dernière part, Mary, après. Non! J'ai demandé, est-ce que tu vas prendre la dernière fois? Tu m'as dit non. Demain on fait quoi? Demain on fait du bateau. Sauf Taïra, parce que Taïra c'est une ingrate. Vous savez ce qu'elle a dit tout à l'heure? Elle a dit c'est mes pires vacances. Comme si. Mais du coup, Mero, on va jamais partir au parc aquatique. Mais ma mère, tu vas aller comment? Mais elle est folle, elle! Elle veut le parc aquatique à 3h d'ici. Tu vas prendre 3h toi? Moi, je ne reste pas 3h dans les transports. 2h! Je reste pas 2h, c'est pas 2h, je reste pas 2h30, je reste pas 2h30 dans les transports. Le Uber il coûte 165€. Appelle-moi cette rêve en boîte, c'est ça, 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 c'est ça
Comme ça, c'est tout. T'as vu combien de consommes? Wesh! T'es un ogre ou quoi? J'ai demandé si j'ai la piqûre, elle va pas assez. Hein. Attends, les autres, ils ont pas été servis. Ils ont pas servi. Ils ont pas été servis. Bon, tout le monde s'explique pour la nourriture ici. Il aura pas assez ? Moi je prends curry. Ouais. Avec moi ça. Moi je vois. Mais il était tellement simple. J'aime bien tout côté simple. C'est bon là ? Mmh. Tous les sauces. On n'a pas pris ketchup hein. C'est trop bon. C'est tellement pas bon. Qu'est-ce qui est pas bon ? Le ketchup. Pas mis dans le truc que vous avez mis. Charole, je crois que j'en ai mis déjà un peu. Oui, et là, ça fait. Là, du sel. Elle est tirée. Oh, je suis choquée. Elle a mis un peu là. Mais fallait dire qu'elle a mis du sel. T'aimes bien? J'apprécie comme ça. C'est trop bon. Allez, moi, j'aime bien. Faut que tu me rentres. Même McDo, ils font pas ça. Non, ok. Crois pas. Oh, je suis choquée! Bah, moi je suis stressée, hein! Mais par contre, j'ai ma lunette, c'est quoi? Non! Donne! Ça, c'est barbu. Ah, j'ai trop chaud! Non? Non, c'est aussi! Mais là, tu cours pas! Bah, faut couper, hein! En fait, vous êtes trop lent, vous m'énervez. Il va être 14h dans 6 minutes. Regardez ce qu'elle fait, mon jeu petit déjeuner à 14h. La jolie affronte. Moi, je prends un apéritif. Non, pas dépêchez-vous là. Elles sont lentes. Déjà, elles se réveillent, il est 14h. Non, moi je me lève tôt, c'est parce que je vois que vous dormez. Mais demain, si vous ne dormez pas à 7h du matin, de toute façon, dès qu'on rentre à 20h, je prends tous vos téléphones, comme ça vous dormez. Bah, en fait, on discute. Bah, vous allez bien discuter. Si je perds les paires de mes pieds, je vous jure, si je perds les paires de mes pieds. En fait, ça sert à rien de prendre le téléphone parce qu'on vous permet de réveiller. Je m'en fous, je vais te réveiller moi. Bah ouais, la dictature, c'est pas la dictature, c'est que en plus c'est toi qui me suis pour aller au parc. Non, c'est bon, Marine Land, je sais pas quoi là. On est sur une dictature hystérienne. Léa, elle mange, elle a un gros estomac. Je savais pas, à la maison tu manges pas comme ça. C'est juste, elle fait la meuf timide. Ah ouais, elle ment. Moi je vous avais dit, elle mange 3 hamburgers à la maison. Oh, vous avez prévu. Bref, sinon aujourd'hui le programme c'est qu'on va aller faire du bateau. Moi je voulais vraiment faire du shopping un peu quand même, on est à Barcelone. Faut que j'achète un peu des trucs pour voir s'il y a. Mais le bateau c'est à quelle heure? C'est à 17h45, ça, je dis qu'on y va avant. Attends, et ça dure combien de temps? On reste combien de temps dans le bateau? 5h. Quoi? Non. Arrête de mentir. Ouais, jusqu'à ce que c'est marrant. Là c'est préparé et j'ai un peu arrangé mes cheveux. Je sais pas ça va tenir combien de temps. J'ai mis une petite jupe de chez H&M, ce top il vient de chez Shein. Allez, allez. Regardez dans la salle de bain. Tu as mis tes sandales? Mets tes sandales, il fait chaud là. On va dans le bâton. Comment ça fonctionne? T'as des roses? Sharon et ses stocks. On va aller faire du bateau. On a 45 minutes d'avance, c'est mieux comme ça parce que elle, on les connaît. Hein? Par contre, là, il fait pas trop chaud, ça fait du bien. Pour aller s'asseoir là-bas. Attends, Sharon, je vais pas aller tout seul. Doucement, elle va t'attendre. Mais t'as peur de quoi? Ma bête, tu vas pas tomber. Fais attention à ton téléphone.
m'a fait un choc. Ah, c'est pas très portable. When it's smoke, bet the ops gon' dunk it. We kick smoke up, they kick bucket. Break up with your bitch, it's over. Pretty bitch, but it gets scary October. I'm not the bitch to play with, I told her. When I get mad, I lose my composure. Hoes don't want no smoke, they want exposure. He wanna eat it again, just for closure. If he a slut, I might let him come over. I'm all in his mouth like a goddamn boulder. Bon, on a fini le bateau, ça va, c'est cool. Il y a un seul commercial juste à côté. Donc je vais aller voir un peu ce qu'il y a. Et après, je crois qu'on va rentrer. Hein. On va se prendre peut-être une petite gaufre et puis rentrer. Elle est des blédards. Bon, tu sais, mais avant, moi aussi, j'avais peur des chiens. Non, vous êtes des blédards. C'est un peu comme les balais. On va voir à Bershka ce qu'il y a. Bon, je ne peux pas, j'ai ma jupe au-dessus. Petit pantalon là, je crois que j'aime bien. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus bas. Mais j'aime bien. Shania, je l'ai trouvé moche. Oh, mais ça, vous trouvez beau ça? Elles sont trop belles. C'est la paix 660. On voit tous mes fesses là. Thank you. Elles sont trop bien mesurées. Ah ouais, vous trouvez? Oui, avec un bon cargo large. Oh, mais elles sont trop belles. Toi, tu peux changer avec tes cargo larges. Mais non, je peux mettre avec un jean. Bah oui, un jean bien large. Oui, voilà. C'est la P6. Il n'y a pas un miroir? Ouais, la P6. C'est confortable, hein? Je sais pas si j'aime. Vous en pensez quoi? Moi j'aime trop, je kiffe. Elles sont incroyables. Des dunks incroyables. Ah ouais, elles sont incroyables. Je vais te les voler, hein. Mais franchement, Meredith, tu as des dunks. Mais alors, j'aime bien. Du coup, il y a celle-là. Et celle-là. Bon, moi, je préfère les dunks parce que vous, les dunks, c'est la meilleure parmi nous. Moi, j'aime les deux. Non, je ne suis pas prendre des montantes, ok? Mais j'ai des. Oh my god! J'ai des montantes déjà, mais elles sont bien! T'as pas des montantes d'un. Je suis choquée! Elles sont belles! Mais avec tout? Moi, je râle sur celle-là. Terrible, pourquoi je fais des gros sons comme ça là? Ok, elle veut rentrer la caméra de mais je te. Rentrer! Je fume comme le mec du mariage de maman. On va le tailler jusqu'au bout, lui. Ok, bon, on vient de rentrer par la grâce de Dieu. Par contre, la lumière jaune, je peux pas. Par la grâce de Dieu, on est bien rentré. Là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Du coup, j'ai pris deux paires. La première, ASICS, à la place de 100 euros, elle était à 70. Du coup, j'ai pris. De base, je voulais pas parce que j'étais en mode. Parce que les ASICS, je trouve ça très ghetto. Très ouais, ghetto, mais c'est vraiment qu'il les prendre. Donc elles sont comme ceci. Toutes simples. Les ASICS, elles sont revenues à la mode, je sais pas pourquoi. Mais elles sont belles, j'aime bien. Bleu, comme ça. À voir si je vais beaucoup les porter. Mais ouais. Celles et ceux qui me connaissent, vous savez à quel point moi, les dunks, c'est ma paire favorite. J'ai des hauts. Je crois que j'ai 7. C'est quoi une paire de dunk? T'as les 7 paires. Les... Bref, j'en ai plein. 7 ou 8 paires, j'en ai plein. Et là, du coup, bah. J'hésitais entre celle-ci et les grises, mais j'ai finalement pris celle-ci parce que j'ai pas cette couleur. Et il me fallait cette couleur en fait. Elles sont pas trop belles vertes comme ça. De base, je voulais prendre les grises. Avoir peut-être avant de partir, je prendrai les grises. Je sais pas. Non, tu vas pas abuser. On n'est pas venu pour acheter des vertes. Moi, je suis venue pour faire un peu mon shopping. Mais elles sont très belles. J'aime beaucoup. Comme ça pour. Non, ça c'est. Oh, la jupe.
Ouais, une chip comme ça de grand-mère. 40 comme ça pour Enicia. De grand-mère, merci, c'est gentil. Sharon, elle a pris un cargo, je sais pas, ils ont quoi avec les... Tu crois que là, non. Je sais pas, ils ont quoi avec les cargos, c'est une nouvelle génération. Non, ferme pas parce qu'il fait chaud. Les cargos, un cargo, c'est ça. La... Alors moi, je voulais apporter à la rentrée. Merci. Avec un houblon. Pourquoi ça se ferme tout seul? Parce que tu l'as poussé. Ouais, et juste pris un pantalon, en fait, vous savez, les pantalons en laine, ouais. Simple. En lin. C'est trop simple. En plus, pantalon en laine, ça. Et en plus, là, on peut le serrer et tout. En lin. Bon, pas oui, c'est ça. En laine. Et donc, du coup, il était pas ça. Mais bon, mercredi, on va vraiment faire les vrais trucs. On va vraiment chercher des vrais trucs, genre à Zara, Bershka, tout. Il m'a montré la route, j'ai besoin d'un shopping quand même. Bah, fais ta mère prochaine. Franchement, j'aurais dû ramener mon argent. Voilà. Je vais acheter. Mais Chanel, c'est pas ça qu'elle a. Ouais. Franchement, elle va très très bien. Il y a la taille. J'aime bien. Tu m'as pas respecté. Il est même la taille. Non, 38 max. Ouais, je m'en vais prendre 38. J'ai bien fait. 36. Ouais. Enfin, en fait, sur Shein, c'est trop des grandes tailles. Moi, sur Shein, je prends du 36. Moi, au magasin, je suis au point que ça prend du 36. Les mairies, t'es insupportable, c'est bon. Salut les filles, salut les garçons, salut les entre-deux. Aujourd'hui... Pourquoi mon stylet, les gars? Aujourd'hui, c'est parc aquatique. Il a tué mon nœud 8h41. Les filles, elles sont PLS. Parce qu'elles font que dormir hier. Vous êtes dormi hier à quelle heure? Voilà, fait presque 3 heures de route. Il est midi 30, je pense. On est enfin arrivé. Mais je dis même pas. Franchement, ouais. Quand tu me dis fais avant de faire des gosses, réfléchissez. Parce que si vous voulez vraiment faire des vacances avec vos petites soeurs, vos enfants ou quoi, ça coûte tellement cher que je suis choquée. Genre, quand je fais mes voyages solo et tout, avec mes copines, chacun paye sa part, donc tu vois pas le prix. Mais là, quand tu te retrouves à payer pour 5 personnes, c'est là que tu dis, ah, ok. Moi qui voulais faire 4 gosses, si je suis pas millionnaire, je ferais pas 4 gosses. Hein. Ça, je l'ai dit. Hein. Au parc aquatique, on va s'amuser et puis après, là, on rentre. Hein. On vient de faire un truc là, tu l'as fait peur. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas filmer dans les toboggans. Je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas filmer. Vous avez eu peur ou pas? Non, ça va. Sharon, elle a peur de rien. Enicia? La troisième pente. C'est la troisième. C'est ça, on vient de faire. Regarde de deux ce toboggan. En plus, moi, le bois, il m'a foué, le truc, il m'a fouetté à la fin. Moi, j'ai l'impression, moi, j'avais l'impression que le truc, il allait bouger, il allait partir. J'en ai marre, moi. Tu perds ça les filles. Je sais même pas où elle est, j'essaie de la filmer mais. Terra saute vraiment. Mais ta. Fais pour. Parce que tu. Tes pieds sont trop tôt debout. Non mais j'ai vu la vie des pilages. Mais c'est plus j'allais mourir. J'ai hyper mal au cœur là. Je croyais que j'allais mourir mais. Après tu tombes dans l'eau et après t'es encore dans la foule. Pourquoi j'avais peur de la vie? Ça fait plus peur que le jeune là-bas. Mais là tu restes allongé, tu t'arrives d'un coup. On a fini le parc, t'aimais? Ça
vrai que je me suis fait noyer. Tu t'es fait noyer de quoi? T'avais pied? Je me suis fait noyer, je me suis dit que j'allais mourir, j'avais hyper froid. Ouais. C'est un drama. Chaque fin de journée, c'est là. T'es pas fatigué? Tu t'es noyé de quoi? T'avais la boue, t'avais pied. Noyé de quoi? Je fais 1m80, que je me trouve qu'il est dans un chinette. Qu'est-ce que tu me dis que tu t'es noyé? Qu'est-ce que tu me dis? J'en ai marre de cette fille. Téhéra, il n'y a pas une seule journée où elle s'est pas plainte, où elle n'a pas boudé, où elle n'a pas pleuré. Aujourd'hui, elle a pleuré tout à l'heure. Elle a pleuré où? Là, qu'on a fait le dos. Elle a pleuré. T'es plus ma soeur. T'es plus ma soeur, carrément. Hé hey! Tu vas où? Ce sont mes dernières vacances avec Téhéra. C'est fini. Yourself round me, yourself round me, oh. And I know nobody's perfect, so I'll let you be, I'll let you be. It's the way you weigh your emotions on both of your sleeves, oh. To the face you make when I tell you. On était KO, on a mangé, on a dormi, franchement. Là aujourd'hui c'est le dernier jour et on va faire du shopping. En tout cas les enfants, moi j'ai pratiquement rien acheté, je me suis déjà acheté deux paires de baskets. Il fait super chaud alors que je viens juste de sortir de la douche, quoi. C'est incroyable. Et le tissage, franchement, ça sert à rien. Vous avez fini, je ne vais pas. I'm just trying to get my paper straight, girl. Alors c'est toi, Téhéra, tu vas me dire à moi, je suis gênante. Très bien. Très bien. Tu bloques là? Bah ouais. Parce que Meredith, en fait, elle sait pas faire son table. C'est moi qui dois tout faire. Quoi, elle charge du montage. C'est mon assistante pour les montages. Par contre, la caméra, elle est très lourde. Je sais pas comment elle fait pour porter ça constamment. Voilà. Par contre, c'est une dinguerie comme tous les matins, j'ai mal à la tête. Je ne comprends pas pourquoi. Tu adores trop tard. Alors toi, tu te mêles de tes affaires, s'il te plaît. Merci. C'est la preuve. Donc, je t'ai pas demandé. Est-ce que j'ai dit, Téhéra, pourquoi j'ai mal à la tête? Non. Bon, c'était... Et voilà. La TikTokuse de la famille. Elle fait des TikTok H37, la cruise. Je comprends pas forcément pourquoi. Genre, elle lâche pas son téléphone. Guetté. Là, c'est quoi? Affaire Jeremy. Bref. Après, on a celle-ci. Elle s'est un peu habillée aléatoirement aujourd'hui, mais on va dire que ça rend bien. Hein. Ouais, ouais. Et à elle. Aigri ce matin ou quoi? Je comprends pas. On est en bazar. On est à la place principale là. On est parti. On est parti où? On est parti à Nike, Mango. Ouais. Et Mango c'est Giselle. Super cher. Hein. Et Giselle, j'hésite à me prendre. Fallait que je te montre. J'hésite à me prendre bah, le fameux sac. Mais je sais pas quelle couleur je prends. Je crois que je vais partir sur le blanc. Le métallique, je voulais, mais le métallique, je vais pas le mettre souvent en fait.
Donc soit je prends le blanc, soit le noir. Yes. Hey tout le monde, du coup là on est à Bershka, désolé pour la musique. À tout le monde, il est mitigé. On est en train de faire des bonnes affaires. On est satisfait. Franchement, ouais. Hein. Les soldes ici, ça me paraît plus rentable. Et pourtant, on est à la fin des soldes, on n'est même pas au début. Alors imaginez au début. Ouais, on aurait plus d'affaires. On a pris des pantalons à 5 euros, des carreaux qui étaient à 40 balles, j'ai eu à 10 balles. Genre. 5,99€. Initial en train de tout refaire. Ce sera divers. Théma, les cargos, elle a eu pourquoi un 12 euros. Genre, franchement, pas mal. Là, Théra veut une paire. Donc, il faut qu'on trouve, lui trouve une paire. Elle veut pas acheter de vêtements, elle veut que une paire. Parce que madame collectionne, à ce qui paraît, les paires. Donc, c'est ce qu'on va chercher à foutre le cœur. Okay. Then I have 40 in the similar color. On teste. Théra, elle est en train d'essayer, je suis sûre. Oh, ils sont incroyables. C'est ça. Is how much this one? This one is 130, I think. Je veux celle-là. Yes, shot. It's here. Okay. Là, Théra va choisir sa paire. T'aimes bien? Oui, je veux celle-là. C'est pas. Dis vraiment la taille. C'est gros ou pas? Ça me paraît gros. C'est un peu gros. Marche en même temps. Marche en même temps. Yes. Du coup là, vous voyez, j'ai trouvé cette paire incroyable. Du coup, je vais la prendre. Du coup, elle est trop trop belle. Du coup, j'ai comme une dingue. Du coup, je suis un peu plus contente. Du coup, voilà. Du coup, là, on va aller prier. Ouais, crocodile. On est posé au Starbucks. T'as un problème, Andrea? Du coup, je vais faire un haul en rentrant. Désolée, je suis sombre, mais franchement, je suis fatiguée. On va faire un haul en rentrant, mais franchement, on a trouvé des pépites. Ici, les soldes, c'est les soldes, genre. Vraiment. Des pantalons à 5 euros. Des pantalons, ils étaient à 40 balles, ils étaient à 5 euros. Vraiment, les soldes, vous avez tous rentabilité. Pour appeler votre père et nous remercier. Hein. Surtout moi. Moi, je vais déjà dire merci. Il a dit. Surtout toi. Merci. T'as pas fait les soldes, toi. Charles est venu acheter des trucs pas soldés. Or, il y avait plein de soldes. Les robes, t'as acheté. T'as acheté quoi deux articles soldés. T'as pris des robes à vendre avec le bureau là. Non. T'as pris des robes à vendre avec le bureau là. Quoi? C'est ta robe, tu fais des dégâts. Moi, tu peux rien me reprocher parce que moi, franchement. Mérédite, moi j'ai fait quoi? Pour toi, t'es une cassée. Alors, toi, t'es une cassée comme Jenicia. Tu rigoles pour rien. Tu parles fort. Non, Mérédite, non, je t'en rappelle. T'es lente. C'est juste ça, je suis lente, c'est tout. Hier, dans le bus, vous criez vous deux là comme des oives. Mérédite, ça, c'est ça, mais c'est tout. Moi, j'ai eu pas de hyper calme. Mérédite, moi, je suis calme, j'ai très bien, je suis pas. C'est ça parce que t'as peur que maman Sandra voit la vidéo et. Non, t'as peur. Tu t'agrées. Hein? Elle va quoi? Tu veux jamais oser. Tu veux envoyer à maman Sandra en privé? Je veux jamais envoyer le. Regarde. Oh, c'est ça ce que moi je te dis. Je veux jamais mettre ça à la télé. Ça, j'ai bien regardé ça. Dans tous les cas, à la fin, je vous ferai un petit compte rendu de chacune. Bon, t'es là. Du coup là on est rentré, on est KO. Du coup on a vu. Si, je te promets, là je suis. Là elle est bien là. Du coup. Je reprends la caméra. Les moustiques qui m'ont piqué, je sais pas si je vous ai dit. Les filles elles vont faire un petit haul de tout ce qu'elles ont acheté. Bon Théra là c'est qu'un truc donc ça va aider. On a deux trucs. Un pour la mienne. Ok. On a chaud. Un pantalon. À 5,99€ chez Bershka. Au lieu de 5,99€ chez. Donc voilà. Il est à 5€ là. Non. Voilà. Plus les prix. Les prix bizarres là. Ah ouais? Mais je le mettrai avec des chips. Et les chips sont assez bons donc on ne verra pas. Mais ça, sans moi, ça me choque pas. Ah oui? Non? Ça me choque. Ah, j'ai acheté.
Ça prend ma nièce, Armani, voilà. Après, j'ai acheté une carte primaire et elle m'a rajouté de l'argent. Pourquoi tu précises le conflit? Du coup, j'ai acheté des dunks comme ça, elles sont trop trop belles. Elles sont belles. Vraiment. Tant que c'est rématé, j'aurais pris les mêmes. Elles sont ah ouais incroyables. Ouais. Elles du coup, ouais. À un moment donné, on a un pantalon comme ça de chez Zara. Moi, j'aime énormément. C'est vraiment gros. Très beau, c'est après, ça, tu peux serrer la taille, mais je trouve très beau. Oh my god, je vais pas. Et t'as pris S? Ouais. Tu sais, je crois que t'es skinny. Je l'ai eu à 9,99€. Je mange S. Mais t'as grossi? Je l'ai eu à 9,99€ au lieu de 40€. Quand même. Bonne affaire. Très bonne affaire. J'aime beaucoup, moi. Qu'est-ce qui te gêne? Déjà, au niveau de la tête, déjà, je trouve que c'est trop long. Genre là, c'est monté limite jusqu'à les seins, déjà. Genre, je trouve le... On a dit taille haute, ok, mais quand même. Et j'aime bien, moi. Genre, c'est très long. Taïra? J'ai pris un pantalon MAM de chez Pionnier. Je l'ai... Pour MAM, je trouve qu'il te sert. Hein. Ouais, t'aurais pris, dû prendre M. Ouais. Et je l'ai eu à 20 euros. Ah oui, parce que je vous ai dit, comme je vous ai dit, Charlotte a tout pris sauf des soldes. Donc, j'ai pas trop compris. Et en haut de chez. Stradivarius. Et je l'ai eu pour. Ah, maman, non. Je l'ai pris pour 6 euros. À la place de 12 euros. Franchement, ouais. Il c'est est super chute. Beau. C'est un jogging. Ah non, c'est pas un jogging. C'est un pantalon parachute là qu'a voulu. J'ai pris un pantalon parachute à Stradivarius. Très bien faire. L'étiquette, je sais plus. C'est à 12,99€ en solde. Là, il n'y a pas le prix de base sur l'étiquette. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Il est très joli. Ouais. En kaki, pas mal, il est bien aussi. Le même, c'est le même quoi. Ouais, c'est bien. Par contre, j'ai appris le plus long que l'autre. Ouais. Tu vas pas boire moins serré en bas? Ouais. Vraiment, ça me fait plaisir. Je dis ça, je fais du M. Une veste comme ça. La veste de Nathan en fait. La veste de Nathan. Ah, 9,99€ au lieu de 30€. Voilà. Sharon, elle a pris la même parce qu'elle a pas de personnalité. Comment ça, j'ai pas de personnalité? C'est blanc? Un top rose de chez H&M. J'aime trop. J'ai envie de ça coûtait 10 euros. Et avec un. C'est beau le carré, je vois bien. Merci. Donc un gros parachute de chez. C'est le même, Stradivarius. Stradivarius. Donc je dis par contre. Ouais, j'aime pas trop comment. En fait, il est pas sauté. Mais, genre, je sais pas comment expliquer. Je pensais pas qu'il allait faire comme ça, donc j'aime pas trop. Après, là, t'es en claquette. En fait, les bas, je suis pas très satisfaite. Ouais. T'as pris taille M. Il y a beaucoup que t'es pas satisfaite. Celui-là et le beige. Le beige. T'as pris taille M. Pas les parachutes. Les parachutes, t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, mais je suis pas waouh, trop beau. Après, j'ai pris en blanc comme ça, j'ai pris le même en noir. Je vais pas montrer parce que j'ai la flemme. Top de chez Bershka. Même si on a dit qu'elle m'a coûté 18 euros. Pourquoi t'as pris S? Ça, c'est un blanc. Elle t'a coûté combien? Elle m'a coûté 18 euros. Enfin, 17,99€. J'ai la même. Une enfant de 14 ans qui s'habille comme une maman, comme moi, de 22 ans. Au restaurant. Ah, restaurant avec qui? Ah, j'aime trop. Ouais, mais ça me va. Ah, ok. C'est derrière, il y a une franche. Les jeunes d'aujourd'hui. Du coup, regardez-moi ce cargo pépite chez Bershka à la place de. Je crois leur cargo, ça combien? C'est plus le prix de base, mais je l'ai à 10 balles. Je crois que ce cargo-là, ils sont à 40€. Hein. Je crois que c'est à 39,99€. Pépite, ils tombent super bien. Ce pantalon-là, je sais pas si vous pouvez voir. C'est un pantalon tailleur. Il est trop beau. 7€ à la place de. Je sais pas combien. Il m'a coûté 7 balles. C'est un pantalon tailleur. Je suis à fond dans les pantalons tailleurs ces derniers temps. Prépare-moi bien, s'il te plaît, parce que ici. Ensuite, j'ai pris celui-là. Faut que j'arrive à le fermer. Il me sert un tout petit peu. Donc là, j'ai pour objectif de maigrir. Donc faut que je maigrisse. Il m'a coûté aussi 7 balles. J'aime beaucoup la couleur. Il est long. Donc,
parce que je maigrisse. Je dois maigrir là, j'ai perdu au moins 5 kilos. J'ai acheté les chaussures d'Armand. C'est bon. Je vous dis au revoir, Lyon. Parce que c'est la fin du vlog. On est à l'aéroport. Du coup, là, on va aller. On va enregistrer notre bagage. Ok, du coup, les gars, je vais finir ce vlog ici. Comme ça, pourquoi? C'est la fin là, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Mais c'est la fin, franchement. Merci d'avoir regardé le vlog jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à la bicyclette pour recevoir les nouvelles. Vous pourrez me réduire dans une prochaine épisode de la Medication. Un épisode. Entre les 1 et les 1. Un épisode. Oui. Oh,